Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 6 août 2020 sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy. Avant toute chose, résumons le quintet de la veille qui se disputait ce mardi du côté de Deauville, en Normandie. Accélérateur, le numéro 3, monté par un Christophe Soumillon en très grande forme, s'impose d'une classe. Si la minute quintée indique tout de même le tiercé, Top Prono, en verve depuis plusieurs semaines, donne encore le tiercé quarté quintet plus dans le désordre, le dernier faisant plus de 528,60 € pour 1 euro. Quelques compétiteurs font aussi bien que Top Prono du côté du concours de pronos gratuits. Citons les trois premiers du classement du jour, à savoir BTL 91, Aaron et Dominique Ed, qui donnent quintet plus dans le désordre, ainsi que les bonnes bases. Félicitations à tous les trois. Allez, passons maintenant à l'étude du tiercé quarté quintet plus du jeudi 6 août 2020. C'est le prix de la Concorde, premier rendez-vous de la Réunion 1 qui a été retenu par les organisateurs. Ce très joli rendez-vous labellisé C réunira des trotteurs âgés de 7 à 10 ans, n'ayant pas plus de 400 000 euros de gains sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy. Un recul de 25 mètres sera observé par 10 de nos 16 prétendants au titre, ce qui rendra la course-poursuite très amusante. Reste maintenant à trouver la bonne combinaison du quintet au terme du parcours des 2875 mètres. Diane Desloyaux, le numéro 3, sera notre favorite. Bien placée au premier échelon, elle qui peut faire du train en allant de l'avant, déférer les 4 pieds, ne peut ne jamais être revue ici si Mathieu Abrivard arrive à la propulser rapidement en tête. Dream de Lasserie, le numéro 13, est une bonne base avant-coup. Restant sur une belle victoire sur cet hippodrome d'Anguin-Soisy et ne sachant que trotter, déféré des 4, il ne doit pas sortir des 5 premiers. Alinéa, le numéro 15, déféré des 4 pieds lui aussi, jouera encore à qui tout double. Compliqué mais doué, s'il reste au trot d'un bout à l'autre du parcours, il peut faire mal. Diablo du Loyer, le numéro 16, piloté par le maître du moment, à savoir Eric Raffin, se présente déféré des postérieurs dans l'espoir de faire valoir son statut de cheval le plus riche du lot. Dostoïevski, le numéro 9, déféré des 4 pieds et piloté par Alexandre Abrivard, n'a qu'à rester sage pour réaliser une grande performance ici. En tête, Donaviva, le numéro 6, déféré des 4 pieds et piloté par l'insatiable Gabriele Gelormini, peut largement terminer dans les 5 premiers. En cas de non-partant, c'est le numéro 10, Cache du Rib, présenté par la famille d'Hersoir, qui pourrait alors prendre place dans notre combinaison en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle minute quintet.